de pitié pour les croissants. Charlie, Charlie, oui. Il y a un producteur de disques qui nous a écrit, il veut nous faire chanter. Ah, oh, super, oh marrant, on va enfin devenir de véritables stars. Ah, depuis le temps qu'on attendait ça, Madonna et Emmanuel n'ont qu'à bien se tenir. Ouais. Enfin, pourquoi tu fais une tête comme ça, Marot? Tu devrais être folle de joie, toi aussi. Mais t'as rien compris, Charlie. Il menace de révéler à tout le monde qu'on a volé des cacahuètes à l'hypermarché et nous réclame 180 francs par retour de courrier. Et ça vous fait rire? Du haut de ces pyramides, 42 siècles nous comptant. Oh, comme c'est beau ce que vous venez de dire, professeur Jakubowicz. Je me demande vraiment où vous allez chercher tout ça, hein. Mais dans mon génial cerveau, Miss Dorothy, vous semblez oublier que je suis l'un des plus grands penseurs de ce siècle. Oh non, professeur Jakubowicz, le plus grand penseur de tous les temps. Ah, vous avez raison, Miss Dorothy. Mais ma modestie innée m'empêche de le dire, vous comprenez, c'est délicat. Vous savez, professeur Jakubowicz. Oui, Miss Dorothy. Eh bien, tous les soirs, je remercie le ciel de m'avoir donné la chance de travailler avec vous. Vous avez raison, Miss Dorothy. Bon, c'est pas le tout, faut peut-être se mettre au travail. Hein. Alors, d'après mes savants calculs, la galerie secrète doit déboucher ici. Voilà. Bien. Et comme ça, nous irons au cœur de la pyramide. Ben maintenant, faut creuser. Vous avez raison, professeur Jakubowicz, nous allons creuser. Oui, mais il faut y aller, là. On va creuser. Hein? Oh, professeur, je suis désolée. J'avais complètement oublié que vous détestiez rester debout. Mais... Oh, je suis vraiment navrée. Mais vous n'hésitez pas, hein, professeur Jakubowicz, si vous avez besoin d'un petit peu de parasol pour vous protéger du soleil, je vais chercher tout de suite dans la voiture. Hein, vous me dites, hein. Non, non, ça ira, Miss Dorothy, ça ira, ça ira. Vous savez, ma longue carrière d'explorateur m'a appris à affronter toutes les intempéries. Ça ira. Alors, faut creuser maintenant. Allons-y, au travail. Oui, professeur. Pas mal à vous. Pas vu ta vieille, pas vous laver. Gravois savant. Dis, oui. Tu me la donneras ta gourmette en or? Je peux pas, c'est ma tati qui me l'a donnée. Alors certes même pas. Mais non, c'est pas ça, c'est ma tati qui me l'a donnée. Donne-moi ta gourmette en or. Mais je peux pas, c'est ma tati qui me l'a donnée. Bon bah tant pis pour toi. Oh, qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh ben je demanderai plus les bonbons que tu me donnes. Les femmes sont cruelles. J'ai pas compris. Professeur, je crois que j'ai vraiment eu raison de vous forcer à prendre le parasol. Il fait une de ces chaleurs. Vous savez, Miss Dorothy, un grand explorateur comme moi ne craint ni le froid ni la chaleur. Je pense qu'à son travail. À propos, Miss Dorothy, vous ne voyez toujours rien? Non, professeur, je vois toujours rien, mais je creuse, je creuse. Bon, attendez, je vais voir où vous en êtes. Oh, ben ça alors! Attention, professeur! Ne vous penchez pas trop! Je ne sais pas si les parois sont solides! Oh! Salut! Grand pharaon tout en camion, toi dont rien n'égale la splendeur, pas même le soleil de nos ancêtres! Bonjour, grand prêtre tout en vélo. Dites-moi, là. Oui? Ça fait depuis 42 siècles à peu près que nous nous connaissons. Tout ça, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Pourriez pas par hasard nous éviter ces formules de politesse alambiquées, ça fatigue. Bah, quelle formule de politesse alambiquée? Ce ne sont là que des marques de profond respect que m'inspire votre divine présence à laquelle rien n'est comparable. Pas même les étoiles qui éclairaient les nuits de nos ancêtres. Bon, abrège, tout en vélo abrège, que nous veux-tu? Bon, alors c'est extrêmement simple. Je suis venu vous prévenir, faudrait peut-être pas trop tarder pour procéder au rituel du sacrifice humain si nous voulons que les dieux nous rendent le soleil qui éclairait nos ancêtres. Oui, quel sacrifice humain. Enfin, ça fait depuis 4000 ans que nous sacrifions tous nos sujets. Nous les avons décimés à tel point que... Tiens, l'année dernière, nous avons sacrifié notre dernier sujet. Ah, non, non, attention, attention, attention. Hein. C'est pas moi qui inspire la colère des dieux. Maintenant, si vous voulez pas retrouver le soleil de nos ancêtres... Hein, oh. Grand prêtre tout en vélo, nous le voulons tout autant que vous retrouver le grand soleil, le soleil de nos ancêtres. Mais comment faire? Ben comment faire? Il n'y a plus personne à sacrifier. Il ne reste plus que... Ben, que vous. Ah ben non, pas moi. Que moi? Ah ben non, pas vous. Et... Ben la reine, Néferpipi. Ah non. Pas la reine, Néferpipi. Pas de pitié pour les croissants. Où est passé le soleil de l'été? Et la vallée, la machine avalée. Et où est donc le mois de mai? Et la vallée, la machine avalée. Qui courait dans la prairie? Et la vallée, la machine à valer. Où est le garçon?
garçon qui faisait rêver les filles. Et la vallée, la machine à valer. Pour une fois. Professeur Jakubowicz, professeur Jakubowicz, professeur. Oh, vous n'êtes pas mort, Dieu soit loué, j'ai eu tellement peur. Mais où suis-je, bizarre outil, là, qu'est-ce qui se passe? Tout est de ma faute, professeur. Vous êtes tombé dans le trou que j'ai creusé pour accéder à la salle secrète de la Grande Pyramide. Et je n'ai même pas eu la présence d'esprit de me mettre en dessous pour adoucir votre chute. Oh, professeur, ça va? Ça va, Miss Dorothy. Vous savez, il faut beaucoup plus qu'une petite chute de cette sorte pour revenir à bout d'une force de la nature telle que moi, quand même. Oh, c'est vrai, professeur, vous êtes tellement extraordinaire. Je vais vous aider à vous relever. Oui. Ne bougez pas, je vous aide. Voilà. Ça va, là, vous. Dites, professeur Jakubowicz. Oui, Miss Dorothy. Une question me vient à l'esprit, je peux vous la poser? Oui, c'est laquelle, Miss Dorothy, la question? Eh bien, voilà, professeur. Étant donné que vous n'êtes plus là-haut pour me lancer un filin, pour me remonter à la surface, comment allons-nous faire maintenant? Ah, c'est une excellente question, Miss Dorothy. Merci, professeur Jakubowicz. Je suis même extrêmement étonné que vous la soyez posée si rapidement. Merci, professeur Jakubowicz. Maintenant, il va falloir que je réponde à votre question. Pas de pitié pour les croissants. Ok, t'as vu les deux là-bas? Oh. Ils là. Ah. Ils n'arrêtent pas de nous jeter. Ouais. Eh ben, ils feraient mieux nous inviter à danser, hein. Ouais. Moi, je crois qu'ils jouent pas. Moi, je suis sûr qu'ils font ça chez ma marque, c'est sur nous deux. Pépé, nous lève là. Excusez-nous, mesdemoiselles. On voulait juste savoir où vous avez trouvé votre chewing-gum, parce que ça fait depuis une heure que mon cousin et moi, on en cherche. Qu'est-ce qu'on rit? Mon grand tout en caca, c'est moi! Oh, te voilà, ma petite Néferpipi. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand tout en caca? Oh là là, mais t'as mauvaise mine. Qu'est-ce qui se passe? Néferpipi, il faut que je te parle. Ouais. La situation est grave. Eh bien, oui, la situation est grave. Je le sais que la situation est grave. Ça fait quand même 4200 ans que nous sommes là, enterrés à 1000 pieds sous terre, parce que le soleil de nos ancêtres a disparu. Ouais. Alors que la situation est grave, ça, oui, je le sais. Oui, mais là, c'est pas pareil, non. C'est encore plus grave. Oh. Mais qu'est-ce qu'il avait, mon grand tout en caca? Il va aller raconter à sa petite Néferpipi ce qui attriste ses grands yeux verts. Oui. Alors? Bon, ma petite Néferpipi, je vais te le dire. Tu sais que tous les ans, nous offrons un sacrifice humain aux dieux afin que, qu'ils nous rendent le soleil de nos ancêtres. Eh bien oui, je le sais. Et alors? Oh! Quelle heure est-il, professeur? J'ai dû m'endormir. Mais vous réfléchissez toujours, professeur Jakubowicz? Je réfléchis, Miss Dorothy, je réfléchis, oui. Et vous avez trouvé la solution pour nous sortir de ce trou, professeur Jakubowicz? Pas encore, Miss Dorothy, mais je pense que mon génial cerveau ne va pas tarder à trouver la solution. Oh, je vous fais confiance, professeur Jakubowicz. Vous êtes tellement intelligent. Merci, Miss Dorothy. Dites-moi, est-ce que vous avez lu les programmes de la télévision de la semaine prochaine? Oui, professeur Jakubowicz. Oui. Y a-t-il un pas de pitié pour les croissants de prévu? Oui, professeur Jakubowicz. Oui, et par qui il est animé? Par les mêmes, professeur Jakubowicz, par Tsikarian, Jackie Corbier et Dorothée. Très bien, Miss Dorothy. Donc s'il y a un pas de pitié pour les croissants de prévu, nous en sortirons. Pourquoi, professeur Jakubowicz? Parce que l'auteur est obligé de nous faire sortir de ce trou, parce que sinon on ne peut pas tourner. Est-ce que vous êtes intelligent, professeur Jakubowicz? Pas de pitié pour les croissants. Parce qu'à la fin, il dit qu'on devrait changer les piles. Rassurez-vous, tout va bien. Dis. Oui. Tu m'aimes?
Non, j'étais très amoureux de toi, mais maintenant c'est fini. Je ne t'aime plus. Oh ben c'est bête. Moi, je commençais à t'aimer. Les femmes savent nous faire douter de nos décisions les plus fermes. Hé, hey, il y en a encore pour combien de temps, là? Alors, mon gros tout en caca, tu me le dis, pourquoi ce sacrifice humain rituel que nous faisons depuis 4200 ans te tracasse autant cette année? Bon, moi je vais te le dire, ma petite Néfer-Pipi. Oui. Ah non, je peux pas. Plus qu'une petite année, mon plan machiavélique aura parfaitement réussi. Persuader cet imbécile de tout en camion que le soleil allait disparaître. Et le convaincre de se terrer sous la grande pyramide avec tout le peuple, alors ça... C'est déjà remarquable, hein? Mais inventer des sacrifices humains pour apaiser la colère des dieux! Alors ça, c'est carrément le génie, là. Non, parce que à qui revient, hein? À qui revient la fortune des victimes? À moi, au grand prêtre, à moi la fortune! Bon, alors maintenant... Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le peuple a été complètement exterminé? Eh bien, cette année, je sacrifie Néfer-Pipi. Et l'an prochain, il ne restera plus que tout en camion. C'est abruti tout en camion. Et alors, à moi l'or, tout l'or des pharaons sera pour moi. Il ne me restera plus qu'à remonter à l'air libre. Et hop, direction les Bahamas, les nightclubs, les petites femmes. Bon, là, je m'emballe. Bon, alors, attention. Dans quelques instants, ça va être l'exécution de la reine Néfer-Pipi. Et les dieux n'aiment pas attendre. Alors, professeur Jakubowicz, vous avez trouvé? Pas encore, Miss Dorothy, mais je réfléchis toujours. Dites-moi, c'est vous qui avez éteint la lumière? Oh, bon, non, professeur Jakubowicz, mais vous savez, la nuit est tombée et puis comme on est dans un trou... Hein... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, professeur Jakubowicz, on dirait que la paroi de notre prison va s'ouvrir, comme si quelqu'un avait creusé un tunnel pour venir nous délivrer. Mais oui, il y a quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Cher public, je suis le directeur photo de cette émission. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la dernière séquence qu'on vient de finir à l'instant, c'est à cause de ces abrutis d'auteurs et de réalisateurs qui m'ont empêché de réaliser mes lumières, les plus belles lumières, les couchers de soleil, les levées de soleil. Ah ! Sauvage ! Sauvage ! Sauvage ! Pas de pitié pour les croissants. Caca, tu me le dis alors? Oh, n'insiste pas, ne faire pipi, j'y arriverai pas. Pourquoi? Majesté, tout est prêt pour le rituel du sacrifice humain. Oh, chic, j'adore ces sacrifices humains. Alors, qui est la victime? Comment ça?
Sa Majesté, tout en camion, ne vous l'a pas dit? Ben non. Mais reine Néfer Pipi, la victime, c'est vous? Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous et par quel miracle? Je suis le professeur Montagnier de la Société d'égyptologie de la Faculté de Paris. J'étais en train d'entreprendre des fouilles afin de découvrir le mystère de la Grande Pyramide. Quand j'ai reçu un appel radio de l'auteur, c'est un vieux copain de lycée. Ah, il a été au lycée, lui? Eh ben, ça sent pas tellement. Bah, c'était peut-être pas un élève très brillant, mais un copain très sympa. Enfin, toujours est-il, quand il m'a appelé pour me dire qu'il était complètement coincé dans son propre scénario, j'ai pas hésité un instant. Je me suis aussitôt dérouté pour venir à votre secours. Bah, vous voyez, Miss Dorothy, je vous avais dit, il était obligé de nous sortir de là. Est-ce que vous êtes intelligent, professeur Jakubowicz? Oui, excusez-moi, je vous interromps, là, mais je dois poursuivre mes travaux. Alors, si vous voulez bien me suivre, je vous ramène à l'air libre. On y va, professeur. Bien, monsieur. Suivez-moi. Prends votre chapeau, professeur. Oui, oui, allez-y, allez-y. Pas de pitié pour les croissants, hein? Mon Richet, non seulement ça fait 3 heures qu'on est là à attendre et personne nous invite à lancer, mais en plus de ça, j'ai une de ces rages de dents. Mais moi, je vois pas bien là. Oh, bah, tiens, bah, t'es vraiment enflé, hein. Ça se voit? Creuse tes joues dans v'là deux. Pardon, mademoiselle, mais on nous a dit que l'une d'entre vous avait une rage de dents. Alors, voyez-vous, comme cousin ici est à l'école dentaire et qu'il a besoin de s'exercer, on pensait que peut-être. Excusez-le. Manifère Pipi, c'est horrible. Ah, oh, mon tout en caca. Je ne pensais pas que notre histoire finirait ainsi. Bon, dites donc, si vous désirez nous faire vos adieux, c'est le moment, dans moins d'une minute, ce sera le sacrifice. Effectivement, c'est pas très haut. Dites-moi, professeur Montagnier, comment faites-vous pour ne pas vous perdre dans tous ces couloirs-là? Oh, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la région, Miss Dorothy. Alors vous pensez, chaque couloir, je le connais comme ma poche. Et ça, qu'est-ce que c'est là devant vous, regardez? Mais élémentaire, Miss Dorothy, ce hiéroglyphe signifie voie sans issue. Professeur Montagnier, vous êtes trompé. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord, professeur Jakubowicz. Non, pour moi, ça signifie plutôt pousser la porte, c'est par là. Regardez, il y a de la lumière par là. On y va, hein? Oui, on y va, vas-y. Oh, ouais, la minute, elle est passée, là. Oh, non. Adieu, 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 Manéfère Pipi. Adieu, mon tout en caca. Oh. Ah, non. Regardez, professeur Jakubowicz. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où venez-vous, étranger? Bah, de dehors. Bien sûr, de dehors. De dehors? Vous voulez dire qu'il y a un monde extérieur avec du soleil? Bah, oui. Du soleil, des petites fleurs, hein, des petits oiseaux. Enfin, ah, damned, je suis fait comme un rat. Tu nous as menti, grand prêtre tout en vélo. Tu nous as menti pendant 4200 ans. Oh, mon Dieu, ce sont de vrais Égyptiens. Ton châtiment sera exemplaire, grand prêtre tout en vélo. As-tu une dernière volonté? Oui, est-ce que M. Montagnier pourrait chanter une petite chanson? Écoutez, ça pourrait se faire. Quand j'entends résonner les cris bleus
sur ma cadavre de Manhattan. Yeah. Je me sens comme un bâton ivre dans la cité des graffitis. Tu sais quoi? Quand j'entends des désolé d'écrire sur ma Pas de pitié pour les croissants. Bonjour les petits enfants. Salut et bienvenue sur le plateau de votre émission préférée, Les Mots. On vous a préparé un super programme. Mais comme de toute façon personne ne nous regarde, on se le garde. À demain les petits enfants. À demain. Encore. Un petit peu de café, Gilbert. Ah ben bah, ça serait pas, ça serait voilà. Pas de refus. Il est très bon. Ah bah voilà, bonjour. Et en plus c'est du café. Ah bah oui, oui je joue bien. Et nous aussi on a du café. Oui, non, mais oui. tout à l'heure. Voilà. Ah. Pas quand même. Non. Non merci, j'ai pas envie. Alors Gilbert, il est pas brûlant mais prêt. Oui, Jacqueline. Tu as donc sorti un 45 tours qui s'appelle Perdu dans New York que je vais montrer. Eh oui. Oui. Elle est belle hein. Oui. La pochette. La pochette est très très belle. Oh. Et le disque est très très beau. Comment tu fais pour te perdre dans New York alors? Ben écoute, il suffit d'abord vraiment de ne pas du tout vouloir se retrouver. Ouais. Ça commence comme ça. Ouais. Et là, on arrive assez bien à se perdre, si tu veux. Ouais. C'est bien. Et t'as rencontré Nougaro ou... Bien que je parle la langue. Hein. Oui, 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 j'ai rencontré Claude qui était sur le trottoir d'en face, traversait, je lui ai dit bonjour, on n'a pas pu se parler, il y avait des voitures, un trafic pas possible, enfin une circulation. Intense. Intense. Mais en tout cas, je suis très heureux de ce qui lui arrive notamment. Oui. Et puis, je suis bien heureux de ce qui m'arrive aussi aujourd'hui, par exemple d'être avec vous. Moi aussi, bien sûr. Comment good. Et puis... Il y a ton album qui est sorti aussi. Voilà, puisque j'y pense, c'est ça. L'album... Qui s'intitule comment, mon petit Montagnier? Il s'intitule Entre douceur et violence. Oui, il y a quoi entre la douceur et la violence? Il y a toi, quoi. Alors, il y a, les titres de mon album, oui. Notamment. Hein. C'est ça. Oui, ben oui, je les ai mis entre les deux. Oui. Et puis, c'est des trucs qu'on penche toujours entre douceur et violence. Moi, c'est plutôt douceur, mais quelquefois, il y a violence à se faire douceur et il y a douceur à se faire violence. Bon, ben c'est parfait. Une bonne phrase à méditer, chers amis, pendant ce dimanche. Ben, je me réveille aussi. Ah, ben oui. C'est un peu tôt pour toi? Tu te lèves tôt ou tu te lèves tard? Non, j'aime bien me lever tôt. Bon, j'aime bien me lever tôt, ben, d'abord parce que j'ai des enfants, puis le dernier, il a 3 ans. Bonjour. Vous aimez, bisous. Ah ouais, puis il vous aime beaucoup, d'ailleurs, lui aussi. Et, c'est donc, pas le seul. Hein. Bah, non. Non. Alors, donc, je voulais dire que lui se lève tôt et que moi, je me lève tôt, donc ça veut dire qu'on se lève tôt. Voilà. Voilà. Ouais. Mais j'avais quand même oublié de vous demander quelque chose qui a quand même son importance. Oui. Qu'est-ce que c'est? Hein? Quand même. Qu'est-ce que tu veux nous demander? Même son importance. Oui. Même son importance. Exprime-toi. On se demande oui. quand même comment tout ça a fini. Enfin, je veux dire, comment... Tout en vélo, là? Oui, le grand prêtre. Oui, grand tout prêtre. En vélo, là. Comment a-t-il été puni? Parce que, je veux dire, c'est immense ce qu'il nous a fait. Ça, j'avoue, t'as raison. Ça, c'était vraiment plutôt côté violence que douceur. Hein. Oui. Et son châtiment a été épouvantable. Ah, atroce, non. Atroce. Moi, je dirais carrément odieux. Ah, moi, je dirais terrifiant. Oui, mais mérité. C'est vrai. Voilà, je le dis ou pas? Oui, ah bah oui, moi, je meurs d'envie, là. Je veux vraiment savoir. Mais bien sûr. Eh bien, il a été condamné à être l'assistant de Pat Le Guen pendant 4200 ans. Non. Attends, on va regarder ce que ça donne à l'image. Tu vérifieras les décors? Oui, monsieur Pat Le Guen. Tu feras vérifier les textes, je veux pas une faute d'orthographe. Il n'y en aura pas, monsieur Pat Le Guen. Et les costumes? Je veux qu'ils soient absolument bien cousus, tout impeccable. Oui, monsieur Pat Le Guen. Tu vérifieras la peinture du cyclo aussi? Oui, monsieur Pat Le Guen. C'est tout ce que tu as à faire? Non, et le plan de travail, alors? Il sera fait, monsieur Pat Le Guen. J'y compte bien.
Bah voilà, ah, mais il a bien cherché aussi. Quelle punition horrible. Bien fait. 4200 ans. Oui, c'est beaucoup. 4200 ans avec Pat Le Gain, c'est terrible. Très dur. Moi, ça fait 4000 ans, c'est terrible. Nous, on n'y sera plus, mais oui, ça va être dur. 4200, c'est terrible. Chers amis, bon oui. dimanche. Ah oui. Nous vous donnons rendez-vous demain. Aussi à vous aussi. Ah bon. À 7h40. Oui, 7h40 dans. Oui. Gisbert, tu reviens quand bien tu veux. Ah bah moi je reviens. Ça va être très plaisir. Bah nous aussi. Et en plus, il aime bien mon café. Oui. Très bien le café. Bon dimanche. Bon dimanche. Super, ciao. Pas de pitié pour les croissants. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Tu comprends tout ce que je dis? Oui, je comprends tout ce que tu dis. Les progrès de la technique nous facilitent vraiment la vie. Normalement, c'est bientôt fini. Casse-toi! Casse-toi, c'est dégoûtant. Tout ça, c'est la faute de ces abrutis, de directeurs. Oh... Oh, mon tout en caca, jamais je ne pensais que cette... J'ai pas besoin de voir mes mains non plus dans le chat. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de voir la dernière émission et la dernière séquence, c'est à cause de l'auteur, de ces abrutis de réalisateurs qui m'ont empêché pendant tout cet après-midi de réaliser mes lumières, mes superbes lumières, mes couchers de soleil, mes levées de soleil, mes clairs de lune, et tout, abruti! Il rentre pas! Moi, je vous fais confiance, professeur intelligent, vous êtes tellement Jakubowicz. Bonjour, ô grand pharaon! Toi dont rien n'égale la présence, pas même... Je sais rien du tout, là, j'en sais pas une fois. Une fois. Non! C'est pas mon clip, là. Top. C'est clair-obscur qui montre la beauté raciste. Ah, sauvage.